Pas de doute, vous êtes au cœur des montagnes, une tyrolienne et une bataille de boules de neige, voilà qui dénote bien l'ambiance qui règne sur les pistes de Plaine Drance. Pour ce quatrième jour du Rock the Piste Festival de Châtel, concert rock, show déjanté, public surchauffé, forcément, les Skip the Use sont dans la place et mettent le feu. Mais au fait, Skip the Use, ça veut dire quoi? C'est faire des choses qui, un peu, en changeant quoi, tu vois, changer un peu la façon d'être et de voir les choses, et voilà. Et vos premières impressions, Matt, tout juste après être descendu de scène? Tu sens que c'est haut, tu sens que c'est, tu vois, t'as moins d'oxygène et tout, donc t'es un peu plus vite fatigué, mais en même temps, c'est super excitant. Moi, je suis super content, c'est vraiment bien marré, puis c'est pas souvent que ça arrive, surtout, en fait. C'est surtout ça, le truc, c'est que c'est la première fois qu'on fait ça, et voilà. Donc on était content de le faire, tu vois, de se dire comment ça va se passer et tout, donc voilà. Le moins que l'on puisse dire, c'est que le public a largement participé à cette prestation, beaucoup de monde pour vibrer avec ce groupe de la scène rock d'origine lilloise et que l'on ne présente plus. Beaucoup de monde et beaucoup d'artistes aussi du festival sont présents. À chaque fois qu'on vient, on voit que le festival prend de l'ampleur. Là aujourd'hui pour Skip the Use, il y avait une superbe ambiance, il y avait plein de gens, donc c'était top. Bonjour, c'est Michael Jones, vous êtes sur Châtel TV. Michael Jones, il est monstrueux! Ils viennent pour la première fois dans ce festival et assurent la première partie de Skip the Use. Ils sont les Deputies. Salut, c'est Baptiste de Deputies. Salut, c'est Tom de Deputies pour Rock the Piste. Salut, c'est Hugues de Deputies pour Châtel TV. Salut, bienvenue sur Châtel TV pour le festival Rock the Piste. Moi, c'est Sharif de Deputies. Et les Velocity Birds. Bonjour, c'est Velocity Bird et on vous souhaite un bon festival Rock the Piste. Réaction après la scène. C'est la première fois qu'on joue en dessous d'un télésiège, donc c'est assez marrant de finir un break de batterie et d'avoir un télésiège qui se passe au-dessus de la tête. On est hyper fiers de jouer dans Skip the Use, c'est un groupe qui a la patate, qu'on aime bien. C'était énorme, jouer devant les pistes avec tout le monde qui skie autour, la neige et tout, c'est un cadre exceptionnel et le son était génial, c'était top. Première partie aussi pour notre MC Rémi que l'on ne présente plus, puisque déjà présent depuis le début de la semaine, il assure aux commandes de ses platines le mix entre rock et électro façon DJ. Sa mission, faire monter la pression. C'est surtout de réchauffer un petit peu le public pendant qu'il arrive, de le mettre en condition par rapport au groupe qui suit, c'est-à-dire que je suis quand même obligé de m'adapter un maximum, de rester vraiment très rock et à peu près dans le contexte du groupe qui passe après. Je dois essayer de ramener les gens avant le concert, voilà, c'est un peu un défi sur les pistes, mais ça prend bien. Pression toujours et encore pour le jeu de mots, Jam Session by Pression Live. Qu'il soit in ou off, le festival Rock the Piste requiert chaque année des nouveautés, comme par exemple des scènes ouvertes à tous. Si, si, à tous, du débutant au confirmé, les Jam Session permettent de monter sur la scène. Alors le but du jeu, eh bien, c'est d'ouvrir cette scène à tous les musiciens de tous horizons, qu'ils soient guitaristes, bassistes, chanteurs même. Tout le monde peut venir s'exprimer librement sur du matériel, donc mis à leur entière disposition pendant toute la durée de la prestation. Et c'est vraiment super parce qu'on a sur scène aussi bien des musiciens professionnels que des gens qui n'ont peut-être jamais quasiment touché un instrument, mais on va les accompagner et on va leur montrer en deux temps, trois mouvements qu'il est tout à fait possible de s'exprimer sur une scène. Rock the Piste, c'est aussi sur Châtel TV! Inutile de préciser que ce Skip the Use Show de Châtel, c'est le feu sur les pistes. Pour finir, petit message du chanteur lead de ce groupe très Rock the Piste. Salut, c'est Matt de Skip the Use, vous êtes sur Châtel TV, je sais plus bien le dire. Et surtout, enjoyez à fond Rock the Piste, allez là!